Ça, c'est moi, Léa. J'ai 30 ans et je suis un peu perdue dans ce vaste monde. En fait, je suis une milléniale. En gros, j'appartiens à la génération 90 et j'ai l'impression qu'on partage tous et toutes ce flou commun. Parce que depuis l'enfance, on m'a expliqué la vie, ses règles, ses vérités qui semblaient immuables. Mais quelque part, en chemin, il semble que je me sois égarée. Hello. Parce que j'ai vraiment pas tout saisi. J'ai tellement peu compris que je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire des grandes études. D'abord des études en psychologie, puis en sociologie. J'ai obtenu mes diplômes avec mention, et là j'ai compris que j'aurais peut-être préféré ne pas comprendre finalement. En fait, il y a nous, il y a notre famille, il y a nos voisins, il y a notre pays, il y a la société tout entière. Globalement, tout ce que je pensais simple, maîtrisable, avec un petit peu de bonne volonté, en fait ça ne l'est pas quoi. Et au fil de mes années d'études, j'ai vu cette petite lumière en moi s'éteindre doucement. Sans elle, le quotidien a perdu de sa couleur et chaque réveil est devenu un peu plus lourd. J'ai compris que j'étais déchirée entre ce que la société attendait de moi et ce que moi, au plus profond de moi, je désirais vraiment. Et c'est dans une nuit d'énième insomnie que j'ai retrouvé ma petite lumière. Même si j'ai adoré mes années d'études et que j'adore apprendre de nouvelles choses, ce qui me manquait cruellement dans mon quotidien, c'était la créativité. Cette créativité, elle m'a nourrie même dans l'élaboration de mon mémoire, mais écrire sous des normes académiques, eh bien ça m'étouffe. Moi, ce qui me fait vibrer, ce qui fait naître de la joie dans mon cœur, c'est d'habiller les mots de sens et d'en extraire leur essence à travers l'art, en laissant libre cours à mon imagination. Et je crois profondément que quand on le peut, suivre son cœur, ça reste toujours le bon chemin. Alors voilà, je vous l'annonce officiellement, je me donne une année. Une année entière pour vivre pleinement de la création de contenu sur mes réseaux sociaux. Évidemment, je parlerai toujours de société, mais à travers des formats différents, plus libres et plus vivants. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien infaillible après toutes ces années. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour monter sur mon petit bateau. Et puis... on verra bien où tout cela nous mènera.